Salam alaikum à tous, c'est Omar Foot et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. L'avant-match de la rencontre Maroc-Congo qui se jouera ce mardi 11 juin à 21h à Agadir. Match comptant pour la quatrième journée de la qualification de la Coupe du Monde 2026. Donc c'est un match avec un fort enjeu. Le Maroc est premier du groupe E des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 en zone Afrique avec 6 points. Et le Congo est dernier avec 0 points. Bon, tout d'abord au niveau de ce match-là, donc il devait se dérouler en RDC, mais finalement, donc la Fédération Congolaise de Football n'a pas voulu jouer là-bas. Donc, de base, il devait déclarer forfait, mais finalement, une solution a été trouvée, c'est de jouer le match à Agadir. Mais aujourd'hui, donc le dimanche 9 juin, de base, les joueurs du Congo, le dimanche matin, ils ont refusé de décoller. Donc de venir à Agadir pour jouer le match. Mais finalement, en fin de journée, ils ont accepté de venir et normalement, le match devrait avoir lieu. Bon, c'est quand même très très compliqué. Il y a pas mal de polémiques dans le football africain. C'est tendu. Avec l'affaire de Marc Lebris au Cameroun. Dans la tenue du match qui est incertaine contre le Maroc et le Congo. C'est vraiment compliqué. Bon, pour ce match-là, le Maroc est favori. La physionomie du jeu devrait être donc d'avoir la possession durant cette rencontre. Durant le dernier match, le Maroc a battu la Zambie 2-1. Un match dans le contenu qui était moyen. Donc une première mi-temps qui était moyenne. Un début deuxième mi-temps pareil. Mais après les changements qui ont été effectués, donc avec les entrées de Rahimi El-Kaabi, le basculement de Brahim Diaz à droite. Là, on a vu du mieux durant ce match-là. C'était mieux. Donc, durant la fin de la deuxième mi-temps. Mais le point noir, c'est le but qui a été encaissé, tout simplement, en fin de match. Alors, pour cette rencontre-là, moi, je vois la composition suivante. Donc, un 4-2-3-1, encore une fois. Comme le match contre la Zambie. Avec Ogol Bounou. Une défense à Atiatla. Shadi Riyad, Romain Saïs, Hakimi. Le double pivot, Amrabat Ounahi. En 10, Hakim Ziyech. À droite, Brahim Diaz. À gauche, Elias Bensrer. Et en pointe, Ayoub El-Kaabi. Alors, je vais m'expliquer sur les choix. Donc, Bounou, Hakimi et Shadi Riyad, ça paraît logique. Atiatlah, pareil. Pour donc la non-titularisation de Naïf Aguerre, je vais m'expliquer. Donc, durant le dernier match, on voyait qu'il était limité physiquement. Il revient d'une blessure. On voyait qu'il était... C'était dur physiquement pour lui. Là, ça va être un match à enjeu quand même. Mais c'est pas une équipe comme la Zambie. Le Congo, c'est une équipe qui a un niveau faible par rapport à la Zambie. Donc, je pense que la titularisation de Romain Saïs dans ce match-là ne devrait pas poser problème. Ensuite, donc le double pivot Amrabat Ounahi. Amrabat, là, il sera de retour de suspension. C'est tout à fait logique qu'il soit titulaire. Ounahi qui a fait un bon match contre la Zambie. Ça serait logique qu'il soit titulaire également. Alors, je vais m'expliquer sur le choix de Brahim Diaz à droite et Ziyech en 10. Brahim Diaz, lorsqu'il a basculé à droite en deuxième mi-temps, là, on a vu qu'il était bon. Il était même très très bon. Ziyech, sa titularisation à droite durant le match contre la Zambie, c'était compliqué dans le contenu. Certes, il a marqué le penalty, mais c'était compliqué. Il n'arrive pas à dribbler en un contre un. Bon, c'était un match compliqué pour lui. Mais je pense que mettre Brahim Diaz dans les meilleures dispositions et mettre Ziyech en 10, ça devrait faire l'affaire durant cette rencontre contre le Congo. À gauche, Elias Bensrer, il a fait un excellent match, il n'y a rien à dire contre la Zambie. De toute façon, il a 3 sélections, 3 titularisations, 3 matchs exceptionnels. Sinon, donc en pointe, alors Youssef Nsaïri, il a été titulaire durant le dernier match, il a fait un mauvais match. Moi, je pense qu'Ayoub El-Kaabi devrait débuter la rencontre, que ce soit lui ou même Sofiane Rahimi. Mais je ne veux pas voir Youssef Nsaïri titulaire. Moi, je pense plutôt que ce sera Ayoub El-Kaabi qui sera titulaire. Parce qu'il sort d'une grosse saison avec l'Olympiakos. Et je pense qu'il devrait mériter plus de temps de jeu que ça.
avec la sélection nationale. Après, si Sofiane Rahimi il est titulaire, moi ça me va aussi. Mais moi, dans la logique des choses, je pense qu'Ayoub El-Khaïbi sera titulaire et Sofiane Rahimi il rentrera en deuxième mi-temps. Donc, ce sera un match qui sera très très important pour que le Maroc prenne le large dans cette campagne de qualification en Coupe du Monde 2026 en Afrique. Il faut bien savoir que dans ce groupe-là, il n'y a qu'un seul. C'est que le premier qui peut se qualifier. Le deuxième ne sera pas qualifié pour les barrages puisque l'Érythrée a déclaré forfait. Donc voilà. Bref. Moi je vois une victoire du Maroc. Et puis voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. C'était Omar Foot. Bye.